Willem, si vous voulez parler, c'est maintenant. On sait très bien que vous buvez pour compenser votre malheur. Commencez par, s'il vous plaît, parce que j'aimerais pas vous ridiculiser devant tout le monde. Bon. D'accord. Non, moi j'ai rien à dire, à part que je suis très content de Bilal. Hein, Bilal, il est exceptionnel. Ah, merci Oui. beaucoup. Cadet Loukoum, bougez votre cul, allez vous mettre à côté de la photocopieuse. Cadet Loukoum, première question. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais goûté les pâtisseries de votre maman? Ah, ça, parce c'est vrai. que vous les avez jamais demandé. Eh bien, on en veut. Pour demain, on veut un putain de plateau pour toute l'équipe. D'accord, ben si ça marche, je lui dirai. Regardez, Loukou, vous avez passé officier. Non, Bon, c'est bah, vous êtes vrai. content. Ah bah ouais, je suis super content même. Ah bah merci Bravo. Je beaucoup. veux un Bravo. Yahoo d'enfer pour le cadet Loukoum. Bravo. Yahoo. Oh, Désolé, Gavier. on se calme, putain, les neufs, cette pornographie, mais putain de bordel. Non mais c'est Dieu. quoi Non ça? mais j'ai désolé, j'étais en train de sodomiser la machine à pizza. J'étais C'est trop clair. content là, Il j'étais a trop pris content. heureux, laissez-le, il est Du heureux. coup, avec l'accord du sergent-chef, nous t'autorisons à aller te mettre sous l'horloge. Si le sergent-chef est d'accord. Ah, je suis d'accord. Ah, Ah, merci trop beaucoup. bien. C'est un honneur. Félicitations. Ouais. Bah, va te mettre sous Bilal. l'horloge, arrête de nous sucer là. Bien. Messieurs, à 23h00, je vous envoie tous Oh. devant le LSPD à vélo. Non, 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 Est-ce que c'est non, clair, messieurs? non. Oui, sergent-major. Oui, sergent-major. J'ai rien entendu avec le vélo, c'est quoi? C'est C'est bien, rigolo. c'est génial. C'est la santé. Le vélo, c'est notre monture ce soir, d'accord? Non, non, moi Oui, j'ai pas rien sergent-major. Oui, sergent-major. sergent-major. On va patrouiller en vélo à partir de 23h, parce que Non, ça vous fait plaisir, et ce non. Oh pour une putain, bonne on grosse se demi-heure, et casse. tous ensemble. Reçu, sergent-major. Et Bah, c'est le faut pas faire une sergent-chef affaire à 10 qui va nous bornes. l'idée. Non, 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 pas de vélo, Faut pas faire une affaire à 10 À bornes. Barès, vous penserez à prendre un petit vélo, et vous prenez pas un vélo pour fille, hein. 6-4. Voilà, donc, vous avez une mission pour 23h, vous êtes tous devant le LSPD avec vos putains de vélos, on est d'accord? Reçu, Oui, sergent-major. J'ai rien entendu! Oui, Reçu, sergent-major. Allez, allez, rendre la justice, Meloulout! Faites-vous plaisir! Tout se passe bien, monsieur le vigile? Tout se passe bien. Ah, ouais, super. Ok, passez une bonne soirée. Si vous avez des Bonne soirée, soucis, on monsieur. est là, hein, vous inquiétez pas. Allez. Mais je le connais, lui. Vous voulez pas réquisitionner une danseuse Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh, le plus beau. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ça va, mes beaux gosses? Attends. Bonjour. Oui? Vous allez bien? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, t'es devenu sergent? Hey, je suis devenu officier, ma gueule. Tiens-moi ma voiture. Tiens-moi ma Oh, voiture. Tiens-moi. Bilal. Eh ouais. Oh, On est là, on n'est pas là. Tu promènes ton. C'est un collègue à toi, ça? Ouais, c'est aussi un cadet officier en formation. Ça va, cadet officier en formation? Ça Vous va et allez vous? bien? Ça va, monsieur, ça va. Eh, hey, Bilal. Ouais, Ouais. c'est beau gosse. Ouais, hey, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vais choper là, je vais. Je sais pas, le monsieur là-bas il m'a dit ouais, nous il y a des. Waouh! Attends, il rigolait pas, frère! Ouais, c'est. Comment le fait du Ouais, vélo en vue? tu vois comment il a la dalle. Eh, Ah ouais, hein. hey, t'as La faim gazelle! toi! Oh la dalle, hein. T'as Va faim toi! bien! T'as faim! Ouais, j'ai faim! Putain, j'ai Ah ouais, faim, mon frère! pote! Mais Ah je te ben. jure! Ça va, hein, ben. Tu vois, maintenant je suis officier, je vais pouvoir faire mes petites patrouilles tranquille, Oh, t'as vu? lourd! Eh, vas-y, tu sais, des fois tu peux faire péter les. Tu vois, les PV, toi? Les. Ouais, non plus, faut pas exagérer. De toute façon, t'as pas de PV, toi, t'es un beau citoyen, non? Ouais, moi je suis un beau citoyen, ouais. Ah Mais des bah fois je fais ouais. de la. Des fois je fais du mauvais citoyenneté aussi, tu vois. Des fois je Sale. fais. Je Ouais, sors pas les poubelles. t'inquiète. Avant, tu vois, ma femme elle est partie avec mon meilleur ami, tu vois. Avant de sortir les poubelles, j'ai jamais payé la taxe. T'as jamais. Comment ça, la taxe? Quelle La taxe taxe? poubelle, là. À chaque fois il Ah, disait, faut payer ah. les Ouais, mais poubelles, ça, hein, les on s'en bat les voisins. steaks, tu fais ce que tu veux. Que c'est Ouais, mis. Cette elle voisine, poubelle, c'est la toujours il poubelle. pleurait. Ouais, la poubelle, ouais. Eh ben, les voisins, tu Hey. lui mets une mandale dans sa gueule et tu lui dis je fais ce que je veux, c'est pas toi les flics. Vas-y, t'étais où hier? Je t'ai cherché là. T'étais parti faire du l'officiage alors? C'est pour ça que t'étais pas là. Comment ça, hier j'étais avec toi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, J'étais mais là. après t'es parti faire du l'officiage. Non, je suis parti, je suis rentré avec Abou. Ah, à bout, ah, d'accord. Ouais, il m'a Non, mais. déposé en ville. Toi, Moi, je. c'est toi t'as disparu avec Ken, wesh. Non, je suis parti avec l'infirmière en fait. On est parti faire de l'infirmière, Ouais, quoi. avec Sarah? C'est qui Sarah? Je Ah, sais je pas, connais pas son nom. l'infirmière. Sarah, c'est pas celle-là? Sarah Crow? Non, je sais pas.
Moi je connais l'infirmière, elle m'a dit c'était je suis infirmière. C'était quelle infirmière? Je sais pas, elle a les cheveux. Je pense qu'elle a les cheveux. Tu vois comme t'avais chanté la chanson là, c'est quoi encore? Tiens, j'ai oublié. Les cheveux de miel? Ouais, elle avait les cheveux de miel. Vous chantez, officier? Ah ouais, ouais, moi je suis un chanteur. Hein. Et vous chantez, s'il vous plaît? Vas-y. Ah, vous voulez un petit concerto? Bon, c'est bon. Vas-y. Vas-y, vous êtes prêts? Attends, je danse. Vas-y, mon pote. Salut, vas-y. Mademoiselle. T'es jolie, t'es belle, t'as des cheveux de miel. Mais comment tu t'appelles? Viens dans mon studio, je te file des photos. Avec du thé bien chaud et des petits gâteaux. Wow, 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 wow. Ner, Kabyle, la voiture rouge sont venus faire l'enquête one time. Attention, les lunettes tri-time. Ner, Kabyle, dans voiture rouge sont venus faire l'enquête one time. Attention, les lunettes tri-time. Et voilà, mon gars. Et ouais. Et moi, je connais un peu la suite si tu veux. Alors, t'arrives, ouais. T'es devenu officier, t'es maintenant un chef. Quand je vais prendre les PV, t'y vas faire tout sauter. Wouh! Ah, ouais, mon gars, c'est ça que c'est bon. Mais pourquoi tu danses pas? Il peut danser avec moi aussi. Ah, mais non, mais c'était bien, hein, c'était bien, regarde. Ouais, ouais, des fois. Hein. Ah, c'était enfin fait, là, moi, bravo. Ah, merci, hein. Attends, je vais donner un autographe. Je donne un autographe. Vous voulez un autographe, monsieur? Ouais. Allez, je vous laisse. Hein. Allez, vas-y, on se capte. On va se capter après. Ouais, plus tard, je prends une fin de service et je pense que c'est. D'accord, ouais, t'appelles. Il voulait trois danseuses hein, pour sa promotion. Hein. Ouais, j'ai réfuté ça avec un peu tout le monde. Si vous avez des soucis pour fouiller, là, quoi, c'est les femmes, là, tu m'appelles, moi, je peux fouiller les femmes. Hein. Moi, c'est moi qui fouille. Moi, c'est moi le policier, c'est pas toi, c'est moi qui m'occupe de fouiller les femmes. Je te donne un coup de main avec plaisir. Hein. Ouais, moi, j'ai fait les fouilles au corps, tout ce que tu veux. Allô. D'accord, moi je fais les fouilles, ouais, tu d'accord. Allez, vas-y, moi je vais m'amuser, je vais toujours les femmes. Ouais, mais t'inquiète, là-bas il y en a toujours. Wow, il fait quoi lui? Wow, wow, il s'est tué, vas-y là. Wow, wow, il est binaire. Oh, Kimberly, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, j'allais lui changer. Est-ce que vous pouvez enregistrer la plainte du monsieur? On lui a volé sa voiture. Oh non, mais c'est déjà enregistré, de toute façon, elle est déjà dans notre truc, c'est bon. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Vous venez prendre votre. Tu viens prendre mon service, Kimberly? Ouais. Ah okay. Bah c'est cool ça. Tu vas avec qui? Je sais pas. Ah parce que moi je suis passé officier maintenant. Eh ouais. Oh, mais t'as pas la casquette des officiers? Bah ouais, mais parce que en fait je suis passé là tout à l'heure et du coup bah j'ai pas eu le temps. Bah si tu veux on va ensemble hein. Bah on va tous les trois. On va à trois. C'est pas comme tu veux hein. Mais ouais bah, si tu veux. Bah je vais vite me changer, j'arrive. Ça roule. C'est normal, t'es viré ma petite. Quoi? T'es viré. Comment ça? Et c'est une décision commune, c'est le sergent-major qui a pris cette décision. C'est vrai? Vous voyez ça avec lui, oui. Vous moi j'étais contre, Hanson était contre, Bell Ruby était contre, mais étant donné qu'il est major instructeur et qu'il est votre responsable, on lui a fait confiance. Désolé ma petite. Bonne soirée. Bonne soirée. Mmh. On se reverra hein, à votre concert. Messieurs les agents. Oui. Je suis désolé. Merly. Je suis désolé pour ça toi. Ça va. Non, je suis pas triste, ça va. Bah si t'es triste, regarde, tu pleures. Non, ça va. Arrête de pleurer, tu vas me faire pleurer. Non, ça va, je suis pas triste. Kimberly, mais... Kimberly, reviens. Reviens, Kimberly. Putain. Laisse-la. Moi, j'arrive. Très bien. Oh, il est pauvre. Oh, c'est biche, j'ai envie de la démonter en même temps. Allez, mes louloutes, faites-moi voir vos beaux vélos. Ah, tu veux voir les miens, il est stylé, hein. Tu vas voir. Allez, allez, Bidel, fais péter, là. Eh, c'est pas un chrono, moi. Hop là. Eh ouais, mon gars. Je suis sûr que c'est un chrono, tu l'as repas. Ouais, moi, je l'ai volé, surtout. Je l'ai pas acheté. Eh ouais mon gars. C'est pas beau ça. Et toi c'est quoi ton vélo? Vas-y sors ton vélo. Ah t'as pris un comme ça aussi? Ouais c'est les stylés. Putain. Oh il a pris un BMX lui, il est ouf. Ah bah moi j'ai pris le premier qui venait. Et avec ça tu vas être dans la merde. Ah ouais, je sais pas, on peut faire les gangsters comme ça. You fuck my wife. Ouais, c'est stylé.
connais pas trop les vélos, moi j'ai pris le premier qui venait. J'ai pas cherché à comprendre. Tu vas pas aller vite avec ça. Hein? On dirait un vélo. Je me moque pas, je constate. Tour du quartier en attendant. Allez hop hop hop, tu mets pas mes louloutes. Putain, mais il trace! Oh, oh, il s'est rétabli le sergent-major. Et ça va bien, sergent-major? Mais non, ça va pas, je viens de me casser la gueule, c'est hyper dangereux le vélo. Bah oui. Oh, mais sergent-major, vous faites que tomber, ça va. Mais c'est quoi ce repère? Je fais que tomber. Appelez-moi médecin. Oui, j'ai fait ça tout de suite. C'est quoi ce vélo de merde? C'est des vélos à la con, c'est un vélo cassé. Sinon ça fait mal au cœur. Officier Loukoum, donnez-moi votre vélo, il a l'air beaucoup mieux que le mien. Ouais, prenez-le si vous voulez, j'appelle un médecin. C'est de la merde. Tapia, où vous êtes? Derrière vous. Pourquoi est-ce que... Ah voilà, Alvarez. C'est quoi ce vélo maudit que vous m'avez donné? Ah bon? Bah prenez celui-là. Ouais. Non, prenez celui-là. Je veux pas, je prends celui de Loukoum. Eh hey, j'ai un casque moi aussi, ouais. Mais c'est stylé. Donnez-moi des bandages, putain. Encore? J'ai cassé la gueule, bah ouais. J'ai appelé un médecin, sergent major. Mais non, ouais, ça sert à rien. Je vais mourir d'ici là. Mais vas-y, dis-moi quand même, j'ai envie de savoir quoi. Je peux pas te laisser comme ça. Non, là. Mais je te jure, j'ai super honte. Mais dis-moi toujours, mais de toute façon, t'as été premier officier, non? Bah justement, c'est à cause de ça. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tapé pour un lieutenant ou quoi? Non, c'est pire que ça. Quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai signé en fait. Et en gros, ils sont tous sortis du bureau. J'ai récupéré ma plaque. Winston me dit en fait, il me dit bah, restez avec moi le temps que je vous donne votre plaque. Donc ils sont tous sortis du bureau. Il y a le sergent Hoyle qui a bloqué la porte. Non. Et j'ai Winston qui m'a roué de coups. Comment ça, sérieux? Ouais, je tombais dans les pommes et tout. Oh. Eh, c'est chaud ça. Et tu veux qu'on te fasse quoi? Il a fallu que j'aille à l'hôpital et tout, c'était un bordel. Tu m'étonnes. Bonsoir monsieur. Bon allez, on prend des véhicules, les deux là, les deux derniers. Les deux derniers, il veut? Un Fixter ou Tribike. Et qu'est-ce qu'on prend là? Tribike là, il veut? Ouais, je vais prendre un Fixter et un Tribike. Pareil. Ah, j'ai pas assez de place. Oh putain, je crois que ça va être pareil. Non mais c'est sérieux là? Et tu comptes faire quoi? Tu vas porter plainte? Ben, j'en sais rien, je sais pas quoi faire parce qu'en fait, si tu veux, juste après... Donc il m'a laissé dans le bureau, je suis tombé dans les pommes, hein. je suis resté super longtemps évanoui. Quand je me suis relevé, j'avais des coups de partout, j'ai dû aller à l'hôpital. On m'a déshabillé, on m'a pris des photos pour constater. Et en fait, comment t'expliquer, quand je suis sorti, je suis allé en patrouille avec Alvarez. T'en es où au niveau des vélos? On est sur le retour. Quand on est rentré en fait, quand j'étais avec Alvarez, et d'un coup il y a Hudson, tu sais le lieutenant Hudson? Oui. Qui a fait un appel à Alvarez en disant Barbe Rouge, j'aimerais que tu viennes en patrouille avec nous. Oh. Du coup j'y suis allé, je suis monté avec eux dans la voiture, en fait, on a roulé. Et à un moment il dit alors quoi, vous êtes officier, vous êtes content et tout, et il commence à me dire ouais, qu'est-ce que vous pensez de vos supérieurs? Et je dis bah ça dépend, qui? Et il me dit bah par exemple Winston, moi je l'adore, c'est un mec bien, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et tu vois, il venait de me déboîter en fait, tu vois. Et après, il me dit ouais, c'est dommage que vous ayez glissé dans le bureau parce que vous aurez adoré le connaître, tu vois, genre délire. Et tout à l'heure, on était à l'arrêt. Et tout à l'heure, on était à l'arrêt. Et il y a Winston, il vient me voir avec un fusil à pompe et il me fait, t'as vu, il est beau mon fusil à pompe, ce serait dommage qu'il y ait une balle qui parte. Ouais, c'est ouf. Ouais, c'est ouais. Chaud. Et qui c'est qu'a les vélos? Là, dans le coffre. C'est qu'à les vélos. C'est nous. Okay, alors, sergent chef, tenez, c'est pour vous celui-là, il est beau. Et dis-moi, j'en ai beau, hein. C'est juste si c'est un pourri, je te fais tout le tour du coup. Ah, c'est le plus cher, c'est le plus cher. Hein, ah bon, pour vous, ah ouais. Combien? Ah, il coûte 500 lui. Ok, tu me dois 500. Ah non, c'est cadeau, moi je vous l'offre. Non, tu me dois 500. Bah non, je vous dois pas 500, parce que moi je l'ai acheté. Ah bon? Ah oui, je l'ai. Yalla. Oh, 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 oh.
Ah, je te remercie, Vilain, ma poule. Dis après comment je te dois. Ouais, t'inquiète, c'est pas grave. Les vélos sont là. Vélo, là. Capitaine, tenez. Oh, celui-là est beau. Hein. Est-ce qu'il y a c'était bien celui-là. Oui, bah attendez, je peux sortir un vélo. Peut-être derrière le BMX si vous voulez un vélo qui recule. Vélo qui recule, quand même. Regardez-le avec un BMX. J'en ai assez. Capitaine, prenez le vélo de l'officier là qui est tout à gauche là. À gauche, non, non, il est bien son vélo. Oui, mais il est mieux pour vous, il y a une meilleure selle, c'est mieux pour les fesses. Je prends le rouge, je prends le rouge. Ah, le rouge, ça fait démon, capitaine. Ça vous va bien. Ça fait le malin. Mais mon capitaine, je vois que nous avons. Nous avons l'intelligence d'avoir choisi des vêtements parfaitement. Tout le monde a un vélo. Aller, là. Ah non, il manque des vélos, sergent major. Hein. Et vous, ils sont où les vélos? Mais ah, apparemment, il y a un vélo qui casse. Du vélo. Il y en a deux dans le coffre, des vélos, et j'en ai donné deux là, ça y est. Sergent major. Non, mais dans le coffre, ils ont été donnés. Voilà, télé. Bah, ils sont là, ils sont. J'ai un vélo en rab, mon col. Voilà, super. Mais par contre, celui qui prend mon vélo, je lui pète la gueule. Hein. Et voilà, couleur or, tout or, la vérité. Sergent major, vos ordres, c'était que tous les cadets ont leur vélo. Merci, lieutenant. Voilà, celui-là. Et moi, j'ai apporté. Dégage, président. Il faut. Bon, messieurs, veuillez me suivre. On est disciplinés, on est en peloton. Et bien entendu, le capitaine préside. Le président, non, je n'ai aucune idée du trajet que nous avons. Alors, venez avec moi, c'est parti. On n'oublie pas de tourner les mains. On y va doucement, respirez, on se roule pas dessus. Allez, allez mes louloutes. Pause, on fait quoi la pause? Comment ça, il faut qu'on vient de commencer. Commencez par la pire montée de Santos. Cahier, officier, poussez-moi. Capitaine, vous faites bien du vélo, hein, franchement. Vous avez des bons restes, hein. C'est un sport qui ravive le corps et l'esprit. Ah ouais, vous avez des bons restes, hein. On se fait une échappée. Vous n'avez pas le souffle de l'Atino. Et 20 dollars à celui qui bouge, hein. Je suis bien. Wow, oui. Allez, on se perd dans. On fonce. Allez. C'est bien. Je suis fatigué, Ben Olby. Allez, on y va. Ouais, c'est qui me pousse? Arrête de me pousser. J'ai l'impression qu'on perd du monde en fait. Vous m'appelez le noir du Kenya? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On va appeler le noir du Kenya. Ah. Oh, capitaine, ça va? Regardez cet envolé que nous fait le capitaine. Oh. Bon exemple. Hey. Rouge. Oula, il y a le feu ici, hein. Waouh, rentre dedans. Ah, le feu est vert. Ah, le feu est vert. Mais c'est pas la balade la plus... Elle est longue, quand même, hein. Ah oui, mais c'est pas fini, mon capitaine, elle a un but. Oh la vache. Ah, on peut arrêter ces gens-là. Non. LSPD, contrôle de police. Non, putain de merde. On a pas le temps, ma coulée. On a pas le temps, ma coulée. Pousse-toi, Barbe Rouge! Putain, Barbe Rouge, tu casses les couilles, hein! T'es clair, t'es un gros grand! Ouais, capitaine, allez, le capitaine! Hey, je suis vieux, mais j'ai encore la ressource. Ah ouais! Aussi. Ah ouais, pelouche, ouais, pelouche, ouais! Pelouche. Voilà, Willem, s'il perd 2 points sur son permis. Oh, Picard, mais et je l'amendais. Rien. On a fait déjà au moins. Suivez-moi. Moi, attends, parce que ton monsieur, ça fait. Ça mais fait non, mais non, suivez-moi, vous allez voir mon capitaine. Allez, on danse, les filles. Non, je vais pas en danse, ça fait mal, hein. Oui, ça va, c'est une descente. Alvarez, allez me chercher. Attendez, il y a quelqu'un qui fait une crise d'asthme là, je crois. Devant? Il y a personne devant. Ils sont derrière les autres. C'est qui qui a besoin de m'entourer? Ils sont derrière. Quelqu'un qui fait un crise d'asthme. C'est McFly. Tiens, prends un petit coup de ventoler, tiens. Ah, merci. Merci. Monsieur le capitaine, nous allons finir cette petite épreuve d'entraînement par
une épreuve de courage qui formera le caractère de tout le monde et qui lui permet... Arrêtez de souffler comme un putain de rhinocéros en rude, bordel de merde. Et qui permettra, mon capitaine, à chacun de pouvoir, comment dirais-je, regagner confiance en lui à tous les niveaux. Aucune épreuve que j'ai passée au cadet, si vous réussissez à la faire passer à tout le monde. Mon capitaine, vous pouvez la passer. Ah, vous avez soif, moi, je vous envoie un peu d'eau pour moi. Eh bien, messieurs, descendez de mon vélo et puis me suivre. J'ai un peu d'eau pour vous, si vous voulez. Lieutenant, ça va ? Lieutenant, ça va ? J'ai poussé le vélo. Lieutenant ? Hyper haut. Lieutenant, ça va ? Descendez du vélo, vous voulez que je vous aide ? Ah non, ça va, hein. Et Williams. Alors, messieurs, viens me suivre. Toi, t'es dopé, c'est pas possible. Williams, tu prends comme dope, là. Winston. C'est le vin, c'est le vin. Je vous ai dit, l'alcool, ça consomme. Putain de merde, attention, moi, je vais utiliser. Captain, est-ce que je peux devenir alcoolique, s'il vous plaît ? Non, seulement le vin. Finalement, ça l'alcool, a été c'est que c'est dangereux. Oula, où va la route ? On va plonger. On va plonger. Non. Ah, c'est très étrange, regardez. La dernière fois que je connais quelqu'un qui est monté à Ulysse, sur la tête à ta chouchana, il est tombé d'une grue. Allez, prenez votre temps. Ça fait peur, c'est super haut, quoi. Mon capitaine, regardez au bord, croise les bras et décroise les... Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, oui. Ouais, c'est magnifique avec le soleil et tout. Mettez-vous bien au bord, mon capitaine, vous allez voir la sensation. Oh, putain. On le rejoint. Non, moi je veux pas. Vous allez bien. Il y a un ponton à gauche. Faudrait le sauver quand même. Allez, on y va. Moi j'y vais. Hein. Il va bien, il va bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Tom? Ah, moi c'est allez, go, là. Moi je saute pas, moi. Bon, oh, allez, c'est parti. Oh, oh. C'est très bien. Continuez à sauter. Sautez tous. Ah, qui c'est noir? Merde, j'ai pas signé pour ça. Rappelle ma jeunesse. Ta forge de caractère. Mon capitaine, vous êtes très jeune dans votre tête, mon capitaine. Je n'aurais pas dû sauter. Oh, rhinocéros. Petite merde. Attendez, Hanson n'a pas sauté. Si, tout le monde a sauté. Mais il est où, Hanson? Il est où, Hanson? Non, Hanson, il a dit que lui, il le faisait pas. Ouais, mais il a sauté, il doit être sous l'eau. Il s'est noyé. Tant pis, il se débrouille. Oh, qu'est-ce que vous faites, sergent chef? Ah, je fais du sport, mon petit gars. Oui, carrément. T'as pas une forme, hein, sergent chef. Hein. Bien oh non, 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 non. Oh. si, moi, il y a la plage et l'eau. Mon petit Loukoum, ça lui a plu aussi. Ah ouais, j'ai failli sauter pour vous sauver, mais bon, après, j'ai vu, il y a personne y sauter, du coup, j'ai pas sauté. On est bien d'accord, vous avez vu, c'est bien le capitaine qui m'a poussé. Le vieux chacal. Non, j'ai pas vu, parce que je regardais le soleil. Maintenant, vous avez dû glisser. Le modèle va être compliqué. Ouais. Ah, mais voilà, regardez. Sergent Willem nous présente. Bien maintenant, nous allons faire une petite séance de relaxation. Mais où est Hanson ? Eh, sergent chef Willems, je veux pas dire, mais on voit un peu, ça dépasse là, de votre caleçon. Et alors, t'en as jamais vu ? Non, mais c'est ça moi, c'était. C'était juste pour vous dire en fait. Une grosse paire de couilles, ça t'impressionne, Dylan ? Non, mais c'était juste pour vous prévenir. Ouais. Hein. Non, mais ça fait du bien de les aérer, c'est vrai, vous avez raison. Bah, bien sûr. Nous devons reprendre le travail, mais c'était une expérience, ma foi, pour intéresser. Oui, mais on a perdu le lieutenant Hanson. Par contre, où est le lieutenant Hanson? Je crois qu'il a plongé, mais il n'est jamais remonté à la surface encore. Oh, de Dieu de merde, il serait noyé. Pardon, tête dépasse. Sautez, accrochez vos grillages. Je ne sais pas si vous pouvez à votre âge. Et voilà. Ah, vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu. En fait, vous n'êtes pas obligé de me sentir le cul non plus, non? Ah, vous êtes agile, hein, le capitaine, parce que moi j'ai fait ça, j'ai direct fait bouf bouf. Non, vous les connaissez en drague, hein? Il pensait m'avoir, Willem, mais moi j'ai connu les stratagèmes qu'il a dans sa mauvaise tête. Hein. Ah ouais? Oui. Quel stratagème, capitaine? Mais viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, j'ai un truc pour toi.
Tiens, mais t'es McFly, coup. McFly. Oui. Croise les bras ou sors ton téléphone, un truc comme ça, parce qu'on va te faire des trucs chelous. Oui. Ouais, Alvarez, pareil pour toi. Alvarez, pareil pour toi, sors ton téléphone. Ah. Ouais, parce que on te voyait courir sur place en fait. Non, McFly McFly. Pourquoi là, c'est pour dans les bandages, messieurs, vous en avez? Non, négatif, sergent major. Négatif. Bah, je sais pas, un peu trop naturel. Je suis le lieutenant. Négatif. Négatif. Non, vous êtes pas encore lieutenant. Ok, quelle ferraille. Sans votre respect. Vous savez où est le barrage? Bon, vous êtes lieutenant dans notre cas. Mais je suis à pied. Bon, il a pas trouvé. Vous allez arrêter immédiatement d'assumer que votre lieutenant est décédé, non? Je vous l'ai déjà dit deux fois. Écoutez, on le trouve plus, on l'a dit. Arrêtez de dire ça là, vous allez attirer le mauvais oeil sur la police. Non mais vous savez bien que c'est un petit farceur, il est caché. Ouais, bah alors on le retrouve. Ou alors, je sais pas, on appelle les flics. Merde. C'est nous les flics. Moi. Lieutenant, prenez votre téléphone dans les mains et reposez-le. Ah oui, je crois qu'il faut y aller là. Mais oui, nous les appelons. Capitaine, j'ai fait venir une voiture pour vous afin que vous puissiez rentrer en voiture. Ouais, c'est aimable. Voilà. Je vais vous conduire, mon capitaine. Les hommes, vous mangez mon cul, sergent chef. Et du coup, capitaine, juste une unicorne, sergent major. Qui est passé officier et que j'aimerais qu'il ait sa plaque. C'est quand même... Ah, bien sûr. Je vais appeler le responsable logistique à ce niveau-là. On va venir parce que mon avis, ça donne chaud. Le sergent chef était à l'unicorne. Oh, merci capitaine en tout cas. Attendez. Ah, possiblement un 10-24 unicorn, donc on va aller au unicorn. Okay. Il va changer les clés, il va mettre la casquette. 4 mètres derrière vous. Ça va prendre à peu près 2 minutes, hein, il est vieux. Ah, il est long. Ouais, oui. Il est vieux. Ah, Bilal. Allez vous changer. Ah, c'est bon, le concierge il a mis le... Oui, allez-y. D'accord. Ils m'ont quand même dit que j'étais un phobe. Qu'est-ce que c'est qu'un phobe? Un phobe est un mélange d'une femme et d'un homme. Ou sinon, c'est mon dame. Mon dame. C'est bien ça. Ah bon? Mon dame. Je sais pas, moi je peux pas vous dire. Jean-Claude, mon dame. Celui-là, il était pas mal, sergent chef. Non, mais je ne soulèverai pas ma jupe pour vous le prouver. Et qui, lui? Qui? Bah, mon dame, je sais pas quoi. Jean-Claude, mon dame. Bah, c'est qui, c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un sportif. Ah bon, il fait quoi comme sport? Du karaté. Du karaté? C'est et boit de l'eau sport, aussi. Boit de l'eau? Ah, ah oui. Pardon? Il a une tenue assez courte, c'est un chef. Hein. Oui, c'est vrai que très bien ce short. Hein. Oui, ce short laisse, ma foi, comme on dirait, les baloches respirer. Ouais. Ah ouais, tout à l'heure, il faisait du yoga et je peux vous dire que ça respirait très bien même. Ah ouais, je vous montre. Oui, je veux bien. Je reviens d'un petit stage de remise en forme et de d'importance de soins. Pourquoi veut-il voir des... Alors montrez-moi ça. Bah, je sais pas, peut-être qu'il aime ça. Je vois mieux la respiration. Ouais, je sais pas, parce que juste avant, un homme a voulu lui faire des bisous. Ah bah oui, dites donc, c'est... Et là, maintenant... Ah, oui. Devrait peut-être faire un marque. Ça sent un petit peu le sauciflard, hein. Comment? Que dites-vous? Comment est-ce que vous faites pour pivoter? Ah, oh, ce sont vos fesses qui vous permettent de pivoter comme ça, c'est incroyable cette musculature. Ouais, on va le laisser parler. Mais d'ailleurs, ah, si vous faites avec votre pénis, c'est dingue. Mais vous devez être en érection. Vous pourriez pas conseiller ça à mon journaliste là-haut, Ferman? Mais il n'y a pas de muscle dans le pénis, monsieur, ce sont des corps caverneux. Ouais, moi j'ai l'impression que ce sont surtout vos deux petites fesses qui vous font vous déplacer tel un crabe. Mais dites donc. Mais vous, c'est-à-dire que... On vous fout sur une bouée dans le haut et vous pouvez ramer avec votre quéquette. Exact. C'est dingue ça. Ah oui, c'est le zizicoptère. Ah ouais. C'est pas le zizicoptère. Le ziziram. Hein. Ouais, c'est le ziziram. Ouais.